prix Élise et moi, c'est un prix littéraire qu'on organise chaque année depuis, donc là c'est la 9e année, avec les CM2 et les 6e. Donc on choisit, nous les bibliothécaires, 9 livres qu'on leur présente normalement en début d'année, avant les vacances d'octobre. Et on laisse après les enfants en choisir, donc maintenant 5 différents. D'habitude, la séance de présentation a lieu à la médiathèque. Cette année, ça a été donc du coup un peu différent, un peu particulier, mais on avait quand même à cœur de faire continuer ce prix. Du coup, on a proposé sous forme de capsule vidéo une petite présentation. On a essayé de rendre la plus dynamique possible, un peu comme ce qu'on faisait en présentiel, en montrant les illustrations des livres, en lisant des extraits pour donner envie, en mettant, quand il y en avait, des bandes-annonces faites par l'éditeur. Là, cette année encore, 5 livres ont été choisis. On espère que la lecture a pu commencer dans les classes. Et donc, normalement, donc, on doit recevoir un auteur cette année, si tout va bien, je pense autour du mois de mai. Et en fin d'année, normalement, ça donne lieu à une rencontre au collège, cette fois-ci, entre toutes les classes, sous forme d'un petit jeu, en fait. Toutes les formes un peu créatives autour des livres qu'ils ont lus. Et surtout, d'annoncer le vainqueur du prix.